Le limodore à feuilles avortées, Limodorum abortivum. Le limodore à feuilles avortées est une orchidée sauvage terrestre européenne. Cette orchidée robuste peut atteindre les 80 cm de haut, mais généralement, par chez nous, on trouve des exemplaires de 30 à 40 cm. De haut. Ces grandes fleurs, pour une sauvage, peuvent atteindre les 3 à 5 cm de diamètre une fois bien ouvertes. Elles sont violacées et sont disposées sur le haut de la tige. L'éperon est long, les sépales externes sont étalées, le labelle est jaunâtre, violet et triangulaire. Elle possède très peu de chlorophylle, d'où ses couleurs sombres. C'est une orchidée à tige robuste, violacée à brunâtre, sans feuilles, munie d'écailles engainantes. La floraison a lieu d'avril à juillet. Elle est sporadique, ce qui veut dire qu'elle peut passer plusieurs années sans se manifester. C'est une plante de mi-ombre. Elle aime l'ombre. Elle pousse plutôt à l'ombre. Vous la verrez jamais en plein soleil. Et elle se développe sur substrat frais, de préférence calcaire, notamment dans les prébois thermophiles. Voilà les amis, pour cette présentation de cette orchidée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.